Donc moi c'est Nil, on a vu Ponyo sur la falaise et j'ai plutôt bien aimé, même si c'était assez différent des autres Miyazaki que je connaissais. Les dessins ouais, sont plus enfantins, beaucoup plus épurés on va dire. Après j'aime bien hein, ce côté Tu toujours veux entre devenir comme ces l'homme, la créatures? nature, ce mélange qu'il y a toujours dans ces films de Miyazaki. Donc Dépêche-toi! ouais, j'aime bien cette Ils arrivent, connexion qu'il y a entre le monde tu vas être noyau! animal, magique et en même temps naturel. Vraiment, j'ai aimé ce film parce qu'il y avait des sentiments dedans. Ponyo était un poisson et il a converti à un être humain. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Ça va tout l'air d'un cimetière Ils de sont battements très de cœur. touchants, agréables, Ciao, à surprenants déjà aussi, commencé. parce qu'on a toujours le rôle, on voit le rôle d'une maman et le rôle de papa. Et là, c'est tout le contraire. On voyait que le papa, il était plus présent, il était L'univers tourne à sa perte. protecteur, alors que la mère, c'est tout le contraire. Elle laisse ses enfants libres et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée en tant Ne que maman. pleure pas, Lisa. Ça montre aux enfants un peu comment ça se passe dans la tête des parents quand il y a un enfant Que moi, qui je est prenais un attiré bouillon par un pour se autre remettre dans le et que cet enfant quitte le domicile et qu'est-ce que ça chamboule dans la tête des parents. Donc c'était intéressant de voir ça en image et surtout Pourquoi de c'est le plus dur de le voir voir dans tes à yeux? travers les yeux de Miyazaki. Je trouve que c'est mieux de le voir au cinéma. L'écran il est plus De le grand, voir dans mes yeux, c'est Clara. plus calme Son qu'à nom, la c'est maison. Ponyo. J'ai trop aimé, c'était trop bien.